Guillaume Canet s'est confié comme rarement à Libération sur sa vie privée. Il a évoqué ses enfants, mais surtout sa vie de famille avec Marion Cotillard. Guillaume Canet et Marion Cotillard, un couple comme les autres. Les deux stars font rêver les Français avec leur relation qui dure depuis 20 ans. Si est-il sur le tournage de Jeux d'enfants qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont eu un véritable coup de foudre. Depuis qu'ils ont officialisé leur couple en 2007, Guillaume Canet et Marion Cotillard ne se quittent plus. Ils sont d'ailleurs les heureux parents de Marcel, né en 2011 et Louise, née en 2017. Le père de famille s'est confié sur leur quotidien dans les colonnes de Libération. Une vie de famille comme les autres. Guillaume Canet a d'abord évoqué ses enfants, qui, malgré leur jeune âge, sont très sensibles aux problèmes de la société actuelle. Ils sont très sensibles au dérèglement climatique par exemple, ils ne supportent pas de voir une personne écraser son mégot par terre, confie-t-il. Mais en ce qui concerne sa vie de famille avec Marion, il s'efforce de dire qu'elle est assez banale. Nous avons une vie de famille tranquille à Paris, loin des fantasmes qu'on peut lire ici ou là comme quoi on vivrait à Los Angeles, affirme le réalisateur. Guillaume Canet et Marion Cotillard sont des parents ordinaires qui emmènent leurs enfants à l'école le matin et qui se rendent à toutes les réunions avec les professeurs. Une vie de famille bien loin des frasques qu'on leur prête et dans laquelle ils sont heureux, ensemble. Guillaume Canet met fin aux rumeurs de séparation depuis quelque temps, les médias racontaient que le couple vivrait quelques difficultés et que leur relation ne serait pas au beau fixe. Des rumeurs qui ont beaucoup touché Guillaume Canet qui n'a pas hésité à montrer plusieurs fois son amour pour celle qui partage sa vie. Elle fait un chemin extraordinaire. Et dans sa carrière, je suis extrêmement admiratif. Des fois, j'ai du mal à avoir du recul parce que le fait que l'on vive ensemble, qu'on ait des enfants ensemble, je ne la vois pas toujours. Je ne vois pas toujours les dessous du travail, confiait-il il y a peu.